Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Shadow of the Tomb Raider et surtout bienvenue à Paititi, ou plutôt bon retour à Paititi puisqu'on va continuer cette aventure à la cité perdue. Donc vous voyez, on est ici. Donc la mission, c'est de retrouver Etsli au pied de la montagne. C'est lui qu'on va suivre parce que sa mère est déjà occupée. Elle a des responsabilités. Donc c'est parti, il y aura très certainement une cinématique dans peu de temps. Allez, let's go, on avance. Et il est là, Etsli, il est là. Where is my mother? She's settling matters between the guards and her khan. What's it like outside Paititi? Well, a lot of things. It's a very big world. Bigger than Paititi? Bigger than 100 Paititis. What? Will you take me there? I think your mother might have something to say about that. What you're looking for is in there. How will I know when I found the right chamber? By the smell of death. If you survive, you can find your way back through the old irrigation system. I'll meet you there. Be careful. The cult often patrols there. Trouver la boîte d'argent d'Ishel. Allez, c'est parti. Bon alors, dans le précédent épisode, j'avais évoqué, voilà, comme quoi il y a un changement de lumière drastique. Mais j'ai pas trouvé la solution. Je pense tout simplement que c'est la version du jeu que j'utilise pour jouer et pour filmer qui va pas. Donc c'est pas trop grave, hein, on va rester comme ça. Bon, c'est pas trop gênant, je pense. Sinon, dites-le moi en commentaire si ça vous gêne vraiment. Alors, il faut qu'on trouve la boîte d'argent d'Ishel, mais bon, c'est le gros objectif principal, mais il y aura beaucoup d'imprévus entre temps. Donc là, pour l'instant, on n'est pas trop perdu, hein. C'est assez simple. Voilà, c'est là que ça commence à devenir sérieux. On va descendre gentiment, on rappelle. Hop là. Bon là, il faut pas se louper, il faut utiliser deux fois le piolet grappin. Voilà, c'était juste, hein. L'animation, elle fait peur quand même, hein. C'est pas rassurant, hein, de voir Lara sauter comme ça. Alors là, je peux... Attends, hop. On s'en fout du feu de camp, on a rien, on n'a pas de poing ni rien. Là, on peut passer du coup. Bam, bam, bam. Juste pour récupérer des trucs, hein, de l'or, voilà, surtout des... Enfin, du minerai plutôt. Et il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est que ça. Son radin. Mais de toute façon, on n'a même pas besoin de fric. On n'a besoin de rien du tout, à part du bois. Ouais, bon, ça va. On est plutôt bien, là. Ah bah oui, il faut entrer, hein, Lara. Si tu veux poursuivre l'aventure, il faut passer par là. Tu n'as pas le choix. Regardons cette fresque. Ça donne un peu d'expérience. Très joli ici. Franchement, les endroits fermés sont très jolis. Aïe! Escalader le ventre du serpent. En fait, c'est bizarre parce que la mission, c'était trouver la boîte, mais on n'a pas trouvé la boîte, donc ça change de mission. C'est un peu curieux quand même. Reste zen, Lara, reste zen. Tout va bien se passer. Voilà. Vous avez vu, là, sans l'instinct, non, enfin même, sans une difficulté plus simple, ben, on voit pas du tout, hein, où il faut sauter. Hein. C'est la surprise totale. Hein. Là, elle se bat avec un cadavre. Ça dégueulasse. Faut rester prudent. La moindre erreur est fatale ici. Ah,
attention. Ah, accroche-toi Lara, fais attention. Ah, il y a des oiseaux en plus qui se rajoutent. Cassez-vous les mecs, mais cassez-vous. Est-ce qu'on peut les déglinguer? Bon, ça va être compliqué. Ah. Oh. Ah ouais. Ouais, ça rapporte que 10. Oh, c'est naze. Bon, on va les laisser en vie. Hein. Ça sert à rien de tuer les animaux. C'est pour pas grand-chose. Hein. Doux chemin. On avance doux chemin. Attention au crâne. Et roulez, roulez. Ah, il est pas tombé. Lancez votre piolet grappin avec un pendant un saut. Ah, j'ai peur, j'ai peur. C'est bon, c'est bon, c'est passé. Ah oui, t'inquiète pas, on va y arriver, mais tu me fais peur quand même. Vas-y Lara. J'aime bien quand elle grimpe comme ça, c'est stylé. Mais en vrai, avec tous les efforts qu'elle produit depuis... Depuis autant d'aventures, elle devrait être hyper musclée, hein, elle devrait être super balèze alors qu'elle est toute fine. Regardez, pour aller plus vite, on fait un double saut. Voilà, non, là c'était bon, il n'y avait plus besoin. Pas trop sauter non plus. Chic man. Vas-y Lara, tu peux le faire, on y est. Voilà. Il y a du monde ici. Hein. On entend des gens qui parlent. Non, ils ont fermé la porte. Ouais. Ça va pas être très agréable la suite. Enfin, pour Lara, hein, nous, on s'en fout. On est juste spectateurs. On la regarde dans la misère. Dégoûtant. C'est impressionnant qu'il y ait autant de cadavres quand même. C'est joli avec cette lumière jaune. On sait pas trop si on arrive au bout. C'est quoi cette lumière? Ah bah voilà, c'est des flammes qui illuminent la pièce. Bam! Probablement, hein, vu comment il a poil. Ouais. Ouais. Ouais, c'est là. Je regarde juste s'il n'y a pas des trucs à ramasser, mais je crois pas. Ça, c'est pas un endroit où... Enfin, on peut y revenir plus tard, mais... pas un endroit facile d'accès, hein, vu tout ce qu'on a grimpé. C'est un peu relou d'y revenir. Allons-y. The smell keeps getting stronger. I found another serpent with a silver eye. I must be getting close. You? Talking tattoos with Uchu. Tattoos? Yeah, you saw one of Roger's, right? It has a heron and an eclipse on it. That might have something to do Looks with like the silver this is box. The only way. I don't think so. Ouais, on y est, on y est. D'accord, on a plus de place. Y'a pas un feu de camp ici. Il semblait qu'il y avait un feu de camp, mais... Peut-être de la merde. Ah bah non. Il n'y a pas... Non, d'accord. Alors ici, en fait, il y a... Soit on active ça, ou soit on tire des flèches enflammées. Mais on va activer le bordel. Pour économiser des flèches, même si on en a beaucoup. Voilà, donc là on active ça, ça va prendre feu. Et ça va permettre... de passer... Ah, j'ai appuyé trop tôt, d'accord. En fait, lui, il n'était pas arrivé encore jusqu'au mécanisme, du coup, il n'y a rien à enflammer. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, là, il y aura des petites énigmes, mais... ça va. That barrier is down. Need to keep moving. Ouais, je me suis blessé, je suis allé dans les feux, dans le feu, dans les flammes. Pas grave, vu qu'on n'est pas en combat, on récupère rapidement notre santé, donc y a pas de soucis. Is this some kind of bloodletting chamber?
Alors, comment qu'on fait? On va d'abord s'occuper de ce qu'il y a en bas. Donc il faut regarder le cheminement. Donc là on voit bien que ça va pas au bon endroit parce que ça se termine ici. On va déplacer ça au, un peu au pif. En fait je sais plus. Non attendez. Ouais c'est surtout lui en fait qu'il faut. Ah oui attends. D'accord. Lui on peut pas le déplacer comme ça. Ah ouais c'est là-bas. Non c'est pas ça. Attendez voir. Est-ce que si je tire dessus ça marche? Il va pas tourner hein. Ah presque. Mais je crois pas. Ouais non je crois pas que c'est ça hein. Non attends. Peut-être un délire avec laisser ça en suspension. Non c'est pas ça. Je suis perdu. Je sais plus trop comment faire pour... En fait là le seul souci c'est comment tourner ce bordel. C'est même pas question de comment le mettre, c'est plutôt comment je tourne. Non bon d'accord alors c'est pas. Ça commence peut-être ici. Bon, on va activer ça déjà. Hop. Et je mets tellement de temps en fait à jouer, à rejouer au jeu, vu que je tourne pratiquement les épisodes le jour même où je les poste, et ben du coup je me souviens plus trop de l'histoire. Enfin, en tout cas de ce qu'il faut faire. On va voir le cheminement, même si ça me semble pas concluant, étant donné que c'est bloqué. Je vais me cramer si je suis le con. Voilà, le problème c'est que ça s'arrête là en fait. Il faut arriver à déplacer ça, mais putain, ma mémoire elle me fait défaut là, hein. Je sais plus. C'est incroyable. Ça se fait que je m'en souviens plus. Faut l'accrocher quelque part, mais où? Réfléchis, Narpi, réfléchis! À moins que ça a bugué, mais je pense pas quand même. Hein. On va pas accuser le jeu tout le temps. Ah là 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 là. Ah tiens, il y a des trucs par là-bas. Ouais, j'avais jamais remarqué qu'il y avait quelque chose par ici. Ah ben voilà, je me fais d'observer. Ça permet de repérer des trucs. Des trucs inutiles parce qu'on n'en a pas besoin, mais bon. Bon. On va déplacer ça, peut-être que... Ah maintenant il n'y a rien. Je pense qu'il faut l'accrocher sur lui, mais... Je comprends pas en fait pourquoi j'y arrive. Je peux... Ah oui, non mais je suis con. Putain, mais depuis tout à l'heure en fait, je me basais sur... je voulais mettre ça en bas, mais je suis con en fait, je peux tirer d'ici pour le mettre en haut. Oh là là, mais quel gogol. Ah, je suis désolé les potes, je suis tellement con. C'est bon, on va y arriver maintenant. Donc c'est pas ça non plus, parce que ça fait... Tac, tac, et là ça se casse. Ouais, il faut tourner encore un coup. Voilà. Là, c'est mieux, mieux. On va couper la corde. Parce que lui, c'est pas ok. Lui, c'est pas ok. Voilà. Là, ça devrait être ok. Moi, ouais que c'est bon. Je suppose, hein. On va voir, hein. Alors. On tire le levier. Voilà.
Et on active le bordel. Brûle, brûle, brûle. Oh, ah non, je crois que j'avais fait trop tôt. C'est bon, c'est bon. Ça descend, ça descend, ça descend. What? Ça passe pas? Mais non, mais attends. Ah oui, je me suis trompé. Ça allait là-dedans. Ah. En vrai, non, en vrai, il faudrait que ça suive ce chemin, mais... Ah ouais, non mais c'est... attendez, je bug complet là. On va tirer ça. Ouais, il faut que ça fasse le tour en vrai. Ah là, c'est pas bon non plus. Hein. Ah là là, mais quel nul. Bon allez, encore un dernier coup. Il va finir par y arriver. Attends, c'est hyper simple quoi, je veux dire... c'est loin d'être une énigme compliquée, bordel. Comment que je peux bloquer comme ça? Non, bah c'était l'autre truc hein, qui est... Non, alors attends, du coup c'est lui qui va pas. Je pense que lui c'est pas bon. Il y a un parcours précis à enclencher hein. Donc voilà. C'est pas ça parce que ça va sur une tête de mort. Non, bah c'était vraiment l'autre alors hein. Ah, c'est pas bon. Non, mais j'avais bon. Hein. J'avais bon. Ouais, ça peut être que celui-là. Ok. Donc il faut que j'arrive à mettre l'autre dans le bon sens. C'est pas bon non plus. Ah, ça peut être que lui alors. Bon allez, on va activer comme ça, on verra. Parce que ça commence à me rendre dingue. On va pas bloquer là-dessus quand même. Allez, remplis-toi. Mettre ici, je vais observer. Mais je comprends pas pourquoi il descend, il passe là tout de suite, c'est pas normal. Putain, mais quel con. Au moins qu'il faut le faire soi-même avec une flèche en feu, mais je pense pas. Ouais, le problème en fait c'est qu'il passe... Passe là tout de suite quoi. Et pas le tour. Oh là là là, ça m'énerve. Ça m'énerve les potes. Ça m'énerve. On va essayer ça même si je crois pas du tout. Je pense que le deuxième est correct, hein, mais c'est le premier qui va pas. C'est n'importe quoi. Marche pas. Normalement ça s'est marché. Ok. Je suis persuadé pourtant d'avoir déjà tiré avec les flèches en feu et ça marchait, mais... D'accord. Bon en fait c'est débile. On peut pas utiliser les flèches de feu. Ah ça se vide, d'accord. Ça n'a pas attendu que... Ok. Bah pourquoi pas. Ah, y a tout qui va mal dans cet épisode. Hein. C'est le plus catastrophique. Hein. On va pas se mentir. Y a tout qui va mal. Allez. Est-ce que c'est la bonne cette fois-ci? Je n'y crois pas un instant. Ah non, il meurt ici, hein. Le feu, il meurt ici. Il va pas plus loin. Oh là là, là 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 là. Ça perd les popettes, ça perd les popettes. Bon, alors c'est lui, hein.
Ah là 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 là. Ah là 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 là. On perd tellement de temps sur cette énigme. Que même un gosse de 10 ans pourrait réussir. C'est parti, let's go! Alors, ça fait le tour ou pas? Bah voilà. Là, ça descend. Et ça va jusque là-bas. Bah voilà, c'est bon. Ah là 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 là. Quel nul! Now to find the silver box. A serpent. This must be what Trinity's missing. There's the little rebel prince. Ashley! Over there! Get her! Cours, Lara, cours, cours! Il faut courir! Damn it! Cours! Ah! Je m'excuse par avance, ça rame un peu par ici. On court dans Paititi, du coup, c'est pas au point, mais. Ça va pas durer très longtemps, mais elle est bien cette course poursuite là. Ah! On casse tout, on casse tout. Cassez-vous! Pourquoi ils arrêtent de la poursuivre? Je comprends pas. Venez, mais venez, c'est pas très haut, hein. Uchu has something he wants to ask you. I think it's a favor. Okay, I'll make my way back as soon as I can. C'est étonnant. On dit bon, on s'arrête là, on arrête de la poursuivre, elle est gentille. Ouais, alors du coup. Ah ouais, ouais, ouais. Qu'un point, donc on peut rien faire. Donc, il faut se rendre ici au repère secret. C'est la maison de... Alors attends, comment qu'elle s'appelle? Unuratu, voilà. On va aller à la maison de Unuratu. Je m'excuse d'avance si ça rame un peu. On va se dépêcher de s'y rendre. On peut passer directement par là. Hein. C'est un raccourci. Allez, sors de l'eau. Est-ce qu'on peut sauter là? Non. D'accord. Semblait pas possible. Je sais même pas pourquoi j'ai essayé. Monte. Ah. C'est ici. Un secret très secret. Ah, c'est fermé. Ah non, il faut aller dans la maison, je me suis trompé. Faut pas aller tout de suite dans le repère secret, très secret. Pour l'instant, il est très très secret et on n'est pas encore très amis avec tout le monde. Du coup, faut aller dans la maison d'abord. Pas plus tard, le repère secret. Unura
got to. Hatsley's been captured. I know. They're holding him at the barracks. We're working on a plan to release him. I tried to get to him, I'm sorry. He's a warrior. What's that? This is a key. It looks like it belonged to the mountain temple. It is adjacent to where they're holding him. Is the box of HL connected to the barracks? Is that why the cult occupy the temple? It's heavily guarded. When we go in, it has to be subtle, silent. Is there a back way? There was one, by the salt mine, but it has deteriorated. It's treacherous. I might be able to manage it. Perhaps. You did survive the sacrificial pit. I haven't been back inside since I was a child. But from what I can remember, the barracks are within an inner stronghold. If I can get in through the back way, I can clear a path and let you in. We will free Etsley, then go find the box. I'll take care of my son. You go after the box. Entrer dans le temple de la montagne. Il faut passer par là. Wah 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 wah. Oui, wou. Excusez-moi, je marche partout, je vous dérange. Excusez-moi, c'est pas volontaire. Je dois aller en haut. Toutes mes excuses. I think I'm close to the mine entrance. Uchu says it's at the edge of the mountain. He sent a rebel ahead to open it. Thanks. Ah, donc on va rencontrer un rebelle. On va lui faire coucou. Here it is. Ah, mes yeux, ah, la lumière, ah, souffrance absolue, merci. Quelqu'un qui fait du tam-tam. Ah, on les voit, ils sont là. On prépare un rituel ou je ne sais quoi. On va aller les embrouiller, ils vont rien comprendre. T'inquiète, on n'a pas besoin de discret. On va tous les buter. Quel joli pistolet en or. Je sais pas d'où elle sort ça, mais c'était bien rangé. Hein. Ou alors elle a un sac à dos invisible, je ne sais quoi. Enfin bref. Attention. Il y a des méchants dans la zone. Ah! On est en territoire ennemi. I'm in. Unuratu just left with Hakan. She'll be ready when you open the gate. Ok. Passons du pognon. Et bah vous savez quoi les amis? L'action se déroulera dans un prochain épisode. On va s'arrêter ici. On ramasse encore un peu le pognon. Voilà, du pognon. On ouvre cette jarre. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'on s'arrête à un feu de camp. Donc on va s'arrêter ici. On s'est bien amusé, même si j'ai fait vraiment de la merde. Donc je vous invite à m'insulter en commentaire. Non, je rigole, mais... C'était compliqué. Ah tiens, on peut augmenter cette arme comme ça. Ah non, il nous manque de la peau de jaguar.
Voilà, bon bah on va s'arrêter là du coup. Donc les amis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à la liker surtout. Hein. C'est important de la liker pour qu'elle soit bien référencée sur YouTube. Parce que là c'est très compliqué, vous n'êtes pas nombreux à regarder. Donc plus il y aura de likes et mieux ça se portera, ce let's play ira loin. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao ciao ciao. Salut les potes. Ciao.